Donc ici, notre commune a bénéficié de ces activités à travers la formation des acteurs locaux, et le renforcement des capacités aussi des élus, la création des CVC et le cadre de concertation. L'objectif des Agorinqui, c'est d'améliorer la gouvernance locale, donc la gouvernance au niveau des communes. Ça veut dire donc la manière de gérer les affaires de la commune. Avant l'arrivée des Agorinqui, sans rien vous cacher, je peux dire que la gestion était très difficile parce que et nous, et la société civile, et les citoyens n'ont pas compris notre rôle, donc ce qui rendait du coup la tâche difficile pour nous. Mais quand Zagorinqui était venu, quand il a commencé à faire les renforcements des capacités, des élus d'abord, des acteurs locaux, de la société civile, tout le monde a eu sa part en tout cas de formation à travers Zagorinqui. Et je vous assure que ça a beaucoup changé. Parce que maintenant, on se sent à l'aise avec la population. Avant, c'est comme s'il y avait une barrière entre nous. Et Zagorinqui est venu briser cette barrière-là. Maintenant, vraiment, on travaille en collaboration avec toutes les couches sociales de notre commune. Parce que grâce à cette... Je vous jure que l'année passée, là, le recouvrement de la taxe municipale là, n'a pas été facile. On n'a même presque rien eu. Hein, parce que... Sur près de 24 millions, je ne sais pas si on a eu 1 million. Mais cette année, à l'heure où je parle là, on est à 5 millions et quelques. Donc je peux dire merci Zagorinqui et ça continue.